Bonsoir à tous et merci de cette occasion d'échanger avec vous sur des sujets qui nous traversent tous et qui nous interpellent. Parce qu'en fait, on devrait être tous d'accord. La vérité scientifique devrait être la vérité. La limite de la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas la remettre en question, puisque c'est la vérité. Et pourtant, voilà, et pourtant, a priori, la science est destinée à dire la vérité sur au moins le monde réel, le monde scientifique tel que nous le connaissons. Et en particulier, nous qui sommes dans le domaine de la santé, on aimerait avoir des vérités absolues. On veut avoir une médecine fondée sur des preuves de la vérité. Et malheureusement, si on regarde bien la littérature médicale internationale, on va se rendre compte, il y a même eu une très belle étude dans le British Medical Journal, il y a un certain nombre d'années, quinzaine d'années, qui avait fait le point sur combien de vérités médicales sont-elles absolument fondées sur des preuves? À peine 10% de l'ensemble des connaissances médicales sont fondées sur vrai ou faux. Et donc le reste de la science médicale, qui est la nôtre, c'est plutôt une science de consensus. On se met d'accord ensemble pour se dire ce qui, a priori, dans l'état actuel des connaissances, est le mieux pour le patient, pour le progrès. Et donc ce mieux, c'est ce qu'on cherche. A priori, on devrait être d'accord avec les politiques. On les rend députés, ministres, on les rend présidents de la République, parce qu'a priori, ils cherchent le même objectif que la santé. Ils cherchent le mieux pour la population, pour le bien-être, pour le mieux vivre, ensemble, partagé, dans la paix, etc. Donc tout ce qu'on priori devrait être complètement consensuel au niveau national, au niveau international. Et pourtant, il suffit de se retourner pour se dire, aujourd'hui, on a malheureusement célébré la mort de 42 Français qui avaient le malheur d'être franco-israéliens. Et puis, il y a par ailleurs un certain nombre d'autres victimes qu'on connaît, pour des raisons que la science, même la science morale, la science politique, ne devrait pas expliquer et ne devrait pas permettre. Alors, mon titre, c'est assez simple, c'est La parole scientifique joue le plus souvent ou devrait jouer un rôle essentiel dans la prise de décision en politique. Vous êtes en sciences politiques, c'est, je crois, la plupart d'entre vous. A priori, science et politique devraient être un couple parfait. Mais, et on va vous donner un peu quelques exemples, mon idée, c'est de vous donner quelques exemples de, finalement, les secteurs sur lesquels la parole scientifique influence les décisions politiques dans de très nombreux domaines. En apportant quoi? Des connaissances, des preuves, des recommandations basées sur des recherches rigoureuses. La rigueur de la science. Elle joue un rôle. Alors, l'objectif, c'est de garantir que les politiques publiques soient fondées sur des faits et des données probantes. Il ne devrait pas y avoir non plus de discussion, c'est la preuve, on la veut. Et évidemment, le discours politique va essayer de s'emparer de cette preuve pour convaincre, montrer qu'il a raison, qu'il faut aller dans ce sens-là. Et alors, on va voir que le couple va se dissocier. Vous allez voir. La démarche, vous le savez, ce qui a été dit précédemment par le précédent orateur, il a donné plein d'exemples où on a vu les difficultés. Et la démarche politique, alors pour nous, médecins, devrait se rapprocher de notre culture, de la médecine fondée sur les preuves. Les Américains disent EBM, Evidence-Based Medicine, la médecine fondée sur l'évidence. Eh bien, ce devrait être une règle, mais elle n'est malheureusement pas si souvent absolument partagée par tous. Quelques exemples. Finalement, nous sommes tous dans un écosystème, médecins, ingénieurs, politiques, citoyens, etc. Dans un écosystème global dont on doit tous prendre conscience. Dans la sphère de la santé et de la chirurgie, et bien sûr, c'est le nôtre, vous êtes là à l'Académie de chirurgie, je vais vous parler un peu de ça. Mais vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure du changement climatique. Est-ce que les gouvernements français, internationaux, se conforment aux recommandations du GIEC, qui est le groupe international qui explore les changements climatiques? On voit bien que c'est loin d'être l'évidence, même malgré la conférence de Paris. Et on va donner quelques exemples après on va voir combien de politiques se sont écartés, Bolsonaro, Trump, etc. Et quand même des grands pays. Santé publique, vous avez cité la Covid, le masque, le confinement,
Les vaccins, les mesures préventives, la réanimation, le lit d'hôpitaux, les infirmières, les médecins qui manquaient. Et Gérald va nous en parler tout à l'heure. Il a été un grand témoin de tout ça, un grand acteur à la télévision de ces moments où comme par hasard, brusquement, tout le monde ne regardait que des médecins à la télévision parce qu'il fallait entendre les paroles dissociées de tous ces supposés experts qui ne connaissaient rien à la virologie et qui avaient des opinions parfaitement tranchées. On a parlé du fameux médecin de Marseille. Voilà. Et donc, on voit bien que c'est quand même un sacré problème. Sécurité alimentaire, les pesticides, on va en parler. Qu'est-ce qu'on a décidé là, avec le gouvernement Attal, le nouveau gouvernement? On arrête, on change, on a décidé que ce n'était pas bien et qu'il faut maintenant faire bien. Pourquoi? Pour des raisons politiques. L'énergie atomique. Vous avez cité Sandrine Rousseau et ses déraillements intellectuels. La politique de recherche et de développement, la mutation digitale. Alors, les obstacles rencontrés par les politiques, c'est que la science s'affiche finalement avec plein de défauts. Il y a des erreurs scientifiques, il y a les biais scientifiques, des interprétations fallacieuses pendant un certain temps, qui vont modifier la vérité scientifique. Il y a le manque de consensus scientifique, dans la mesure où il n'y a pas les preuves, eh bien on cherche les consensus et il n'y a pas les consensus. Et les gens se disputent. Et vous allez avoir des variations, des gens qui vont dire c'est ça la règle, et puis d'autres qui vont dire non, c'est autre chose. On a une super idée, l'innovation formidable. Moi, j'appelle ça le syndrome de Galilée. La plupart des gens vont se retrouver, les innovateurs scientifiques, ils vont se retrouver avec un syndrome de la résistance au changement. L'idée nouvelle, elle est refusée d'emblée. Non, c'est faux. Et il mérite le poteau, hein, le bûcher. C'est Galilée parce que la Terre tourne. Eh bien, ça s'appelle le syndrome de Galilée. Et ce syndrome, c'est l'habitude des médecins, on appelle ça syndrome, mais c'est l'idée que finalement, eh bien, c'est quelque chose qui est constitutionnel de la vérité scientifique qui a du mal à s'imposer. Il y a plein d'exemples. Politisation de la science, autre élément qui va modifier volontairement les données scientifiques pour que les scientifiques changent leur vérité et qu'ils annoncent quelque chose qui va aller dans le sens du politique. Et puis après, il y a les politiciens qui, eux, du haut de leur dictature ou de leur certitude, vont dire « Non, il a tort, il se trompe, l'eau de Javel, ça marche très bien pour soigner la Covid. » Et en même temps, il est complètement paradoxal, on parle toujours du même, c'est-à-dire qu'en même temps, il va mettre 15 millions, milliards de je ne sais plus combien d'argent pour que les industriels, le Pfizer, trouvent le vaccin, le fameux, et qui va sauver un peu la population de la Covid. Alors, voilà, erreurs scientifiques, conflits d'intérêts, biais scientifiques, la haute autorité de santé, elle s'entoure d'experts pour trouver ce qu'il faut dire dans telle ou telle proposition sur l'innovation. Mais les bons experts sont souvent assez rares sur certains domaines, en particulier de recherche pointue. Comment peut-on bien juger une innovation si, en plus, à l'intérieur du système, on va dire « Ah non, il a un conflit d'intérêts, on ne peut pas le mettre dans l'expertise. » Alors que c'est le seul à bien connaître, alors qu'il a peut-être un intérêt au développement industriel de telle ou telle idée. Manque de consensus scientifique, Galilée et Copernic, les lois de Newton, dont a très bien parlé notre secrétaire perpétuel. Les lois de Newton ne sont pas prouvées à 100%. Au moment où il les énonce. Voilà, politisation de la science, devoir de neutralité des chercheurs et liberté d'expression lors des crises sanitaires, on a bien vu que, ferme ta gueule, tu dis des conneries, il ne faut pas dire ça, parce que ça va à l'encontre, la population va avoir peur. Et les politiques disent, attention, le trouble social, le désordre, vous allez annoncer quelque chose qui va paniquer, il ne faut pas le dire. Et pendant un temps assez important, on va masquer. On va dire des choses fausses, mais volontairement. Covid a été un exemple dramatique, hein, on le sait très bien. Ignorance ou rejet de la parole scientifique, eh bien, et là, c'est très grave, parce que la défiance de la science n'est qu'une traduction d'une forme de malaise démocratique. On conteste les scientifiques de plus en plus
en particulier dans les réseaux sociaux. Manque de consensus, alors quelques exemples, prise de décision difficile, risque d'erreur. Pourquoi ? Il y a des raisons. C'est pas, on fait pas, le consensus ne s'établit pas facilement parce qu'on sait très bien que la décision est difficile, qu'il y a des risques d'erreur, qu'il y a la manipulation, qu'il y a des retards à prendre, qui vont avoir lieu dans la mesure de prévention en matière de santé publique. C'est tout le temps incertitude et confusion du public. Voilà, donc alors le politique doit alors adopter une approche la plus prudente possible, doit encourager, alors il va prendre des conseils scientifiques, le conseil de la Covid, pour la fin de la vie, le président de la République, parlons des choses d'aujourd'hui, il attend que tous les scientifiques, les éthiciens, etc., il interroge pour essayer de construire une nouvelle théorie politique qui a des chances d'être comprise par la population et d'être utile. Est-ce qu'il va trouver cette solution ? On sait très bien que les risques de se tromper sont énormes dans ce domaine et que le problème, par exemple, de l'euthanasie, qui va peut-être nous être imposé, nous médecins qui le refusons absolument, eh bien, ça peut être quelque chose qui va être très lourd à porter. Alors, après, il y a les représentations, il y a nos publics, la population, elle fonctionne comment ? Sur quelle représentation elle peut-elle se fonder elle-même pour avoir son propre jugement ? Moi, je peux vous raconter une petite histoire du temps de la Covid. J'étais invité une seule fois sur un plateau parce qu'ici, à l'Académie de chirurgie, quand le vaccin est arrivé, on a dit on va aller tous à la télévision montrer qu'il faut avoir confiance. J'ai même dit, j'ai pris la parole dans une émission du soir pour dire je me sens être l'arrière-petit-fils de Pasteur. Ici, on va tous se faire vacciner. On s'est fait vacciner en public et devant des caméras de télévision. Et puis un soir, je ne sais plus quel animateur de télévision avait co-convié un syndicaliste qui était contre absolument les vaccins, en disant « ma liberté, c'est de dire… » Il était syndicaliste médical, personnel de santé. Eh bien, il a considéré, avec une forte certitude, que c'était sa liberté d'entrer dans une salle de patients en n'étant pas vacciné, qu'il avait le droit de travailler, même s'il n'était pas vacciné. Alors, je lui ai rétorqué que moi, j'étais chirurgien, et que chirurgien cardiaque, cardiovasculaire, et que j'étais allergique aux gants qui protègent de l'infection, qui me permettent d'opérer, et que ma liberté et mes problèmes d'allergie me permettait, si j'étais d'accord avec lui, de l'opérer sans gants. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que je vous opère sans gants demain ? Venez à la Pitié-Salpêtrière, je vous opérerai comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il n'a pas été possible de répondre. Et le lendemain, j'ai été honni sur les réseaux sociaux en raison de mon nom, si j'étais peut-être un peu juif quelque part, et que si j'avais quelque chose à voir avec le parti politique qui nous domine. Je vous assure, on a trouvé qui, etc. Ça a été porté devant la justice et on a trouvé les responsables de ces accusations, etc. Donc, les croyances non fondées et les faits réels, alors, en particulier dans le monde médiatique et sur les réseaux sociaux qui nous entourent, vous le savez tous, sont parfaitement mis quasiment sur le même plan. Et donc, ce qui a été signalé sur l'absence peut-être de grands journalistes scientifiques avec des connaissances profondes des problématiques, objective, etc., fait que finalement, il y a beaucoup de divergences dans la médiatisation de tous ces problèmes et que ceci va conduire à agiter la confusion du grand public et les gens ne sauront pas très bien comment se comporter face aux choses. Et quand des grands politiciens comme Trump ou Bolsonaro, les grands patrons, même au Canada, vous voyez, là, par exemple, Marie-France Beaulieu, une juge qui a dit « mais le couvre-feu a violé les droits protégés par la charte canadienne comme la liberté d'expression et de réunion ». Mais en même temps, elle était elle-même paradoxale, une grande juge, parce qu'elle a ajouté que ces violations étaient raisonnables et justifiées. Et donc, elle a accepté finalement qu'on contourne la liberté d'expression, etc., parce qu'il y avait des contraintes de santé publique. Donc, vous voyez, on est dans un monde parfaitement paradoxal, et que, évidemment, la politisation de la science va encore aggraver les choses. Je ne vais pas entrer dans la description totale, mais simplement l'exemple que nous connaissons tous, des théories suprémacistes raciales,
que certains partagent ont été a priori travaillés par des scientifiques, par des médecins, par des psychiatres allemands qui ont fait des expérimentations dans les camps de concentration pour montrer, démontrer absolument que les théories raciales étaient parfaitement justifiées par la science. Donc, et ils allaient servir le politique et les théories raciales portées par les nazis. Alors évidemment, affecter, la, voilà, donc manipuler, ou alors inversement, faire taire les vrais scientifiques qui apportent la vérité, au moins du moment, c'est aussi un des dangers de la politisation de la science. Et puis enfin, on peut parler aussi d'un sondage du Cevipof récent, qui disait, par exemple, le baromètre de la confiance politique, environ, quand on parle de la confiance du grand public envers des médecins, comme ça, en général, c'est 90-80%, tout le monde a confiance dans la parole du médecin. Dès que ce sont des conseillers du gouvernement qui appartiennent un peu à la sphère, qui sont des scientifiques, etc., on demande au grand public, eh bien, la cote de confiance va descendre à 60-70%. Et puis évidemment, dès que ce sont des responsables politiques en exercice, ça va être 40%. Ça veut dire que la défiance va devenir plutôt la règle plutôt que la confiance. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel nous devons travailler. Alors, donc ça, c'était le même sujet. Et puis, beaucoup de collègues ou de politiciens européens, comme par exemple Françoise Grosstete, que je ne sais pas si tu connais certainement, Olivier, qui se mobilisent pour lutter contre l'ignorance scientifique qui représente un véritable danger, en particulier pour les décideurs politiques, en particulier dans la sphère de la santé publique. Et en même temps, une belle phrase de Pierre Bourdieu, qui est relativement ancienne, 1999, « L'obscurantisme est revenu, mais cette fois, nous avons affaire à des gens qui se recommandent de la raison. » Donc, c'est complètement paradoxal. Face à cela, on ne peut pas se taire. Et il y a un problème de responsabilité sociétale, citoyenne, à tous les niveaux de l'organisation sociétale, pour qu'il faille lutter contre cet obscurantisme nouveau, qui est complètement paradoxal, à un moment où la science médicale, la science arrive à des degrés de perfectionnement extraordinaires, on peut encore remettre en question la vérité scientifique. Et donc, c'est sur ces sujets. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ça? Peut-être vous serez des acteurs bientôt dans les cabinets ministériels, dans l'organisation de la société. Je partage une étude qui a été publiée par Actes Sud en 2013, Mathias Girel, qui dit « Il faut déranger ce confortable entre-soi dans lequel se déroule la contestation de la science. » Ne pas confondre le caractère faillible d'une connaissance avec son caractère douteux. Nous reconnaissons tous avec humilité qu'on peut se tromper en science. Et qu'on peut annoncer clairement que c'est une hypothèse plutôt qu'une certitude. Et qu'il n'y a pas de science sans faillibilité et sans possibilité de réfutation, et qu'on aime bien la lecture critique. Nous, dans nos écoles, facultés de médecine, j'espère qu'on fait pareil pour vous dans les sciences politiques, on fait lecture critique d'articles médicaux. On apprend à critiquer un article en disant « non, la série présentée, elle est imparfaite, ça ne va pas, il manque des choses, vous avez oublié telle ou telle référence ». Et donc, on va contester, on va dire « non, il ne faut pas croire à ça ». Et donc, ça s'enseigne. Il y a un enseignement de lecture critique. Il faut absolument que dans les sciences politiques, il y ait le même esprit de débat et de réfutation qui est totalement recommandable. Et puis, je terminerai peut-être sur ce que je fais actuellement. Je vais aller un peu plus loin parce que je m'occupe avec Bruno Bonnel, le secrétaire général pour l'investissement à Matignon, du développement du plan France 2030 lancé par le gouvernement français. Pourquoi? Parce que Bonnel, il a décidé que dans la structure qui dispose de 53 milliards d'euros
pour faire réussir le plan France 2030, c'est-à-dire un potentiel d'investissement considérable et dans tous les domaines du développement et recherche et développement. Eh bien, il y a une direction de la connaissance qui est dirigée par François Germinet, ancien président de l'université Cergy-Pontoise, mathématicien. Et puis, il est entouré d'un grand nombre d'autres scientifiques qui sont là pour analyser les projets qui vont être soumis pour appel à manifestation d'intérêt en tel ou tel domaine, du nucléaire, du sous-marin, de l'espace, de la santé, avec l'Agence pour l'innovation en santé à laquelle l'Académie de chirurgie travaille. Eh bien, il faut qu'on ait les moyens, avec des scientifiques, de conseiller la décision politique. Voilà, un tout petit exemple, en même temps une réflexion, parce que finalement, c'est une forme de synthèse. Le progrès scientifique doit être au service du progrès de la société. Alors, il y a deux axes dans le système un peu schizophrénique politico-administratif qui nous dirige. Il y a ceux qui accélèrent, ceux qui cherchent pour aller plus vite, plus loin, qui veulent trouver un peu la pierre philosophale, changer la vie, aller plus loin, gagner encore plus d'argent, avoir plus de décideurs qui vont gagner. Et inversement, il y a toutes les structures freinatrices dont je vous parlais tout à l'heure dans un entretien à part. C'est que les structures freinatrices sont là pour, certes, pour rappeler les règles de sécurité, les règles normales, de preuve absolue de ce que vous annoncez, etc. Eh bien, c'est en même temps très, très embêtant parce que on voit bloquer un certain nombre d'innovations, en particulier françaises, parce que le système administratif qui est là derrière ne travaille pas dans le sens de l'accélération du progrès scientifique. Alors, au SGPI, avec l'Agence pour l'innovation en santé, le gouvernement a créé un accélérateur qui a pour charge d'aller un peu enfoncer le coin d'une innovation et trouver la porte qui va s'ouvrir pour le financement, pour la reconnaissance, pour qu'il y ait la dénomination scientifique correcte, etc. C'est un grand problème. Donc, il faut trouver les financements, on va faire les brevets, on va faire la nomenclature et on va essayer de sortir des blocages et de la distorsion. De nombreux exemples, on a le professeur Richman, notre past présidente, qui est en ligne et qui pourrait vous raconter bien des choses sur les empêchements administratifs au développement des ultrasons de haute fréquence pour traiter les cancers de la prostate. Depuis 20 ans, il se bat là-dessus. Il a d'abord été reconnu dans ses travaux aux États-Unis par la FDA, avant enfin d'avoir des portes qui se sont ouvertes à la Haute Autorité de Santé. Mais il pourrait vous en parler, moi je ne fais que commenter. Alors voilà, et nous, à l'Académie de chirurgie, on travaille encore sur un autre dossier dans le cadre de Plan France 2030, c'est la transformation digitale de la chirurgie avec notre ami Jean-Claude Coufinal, ici présent, qui dirige la commission innovation de l'Académie de chirurgie. Le monde chirurgical en complète mutation digitale avec les robots, avec les big data, avec tout ce qu'il faut, les registres, toutes sortes de thèmes qui sont prégnants et qui doivent absolument impacter le développement de la chirurgie d'aujourd'hui. Eh bien, on a besoin d'une expertise scientifique en phase avec l'action politique. On a besoin d'un écosystème vertueux des relations entre science et action politique. Le progrès, eh bien, c'est au service de tous. Mais il faut un engagement, il faut de l'innovation, il faut de l'investissement, il faut une politique de développement. Et après ça, on espère avoir une influence au niveau national et international. Voilà, c'est quelques pistes. Pardon, j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais essayer de vous dire à quel point on a besoin de vous pour vous acculturer à ce problème de la lecture critique, du besoin de la science, mais en même temps du besoin de la culture du doute. Et ça, on n'est pas par hasard à côté de l'amphithéâtre Descartes, hein. Je doute. Et donc, il faut à la fois vouloir savoir et en même temps être capable de douter et d'apporter la preuve qu'on a raison. Merci.